وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Serviteur d'Allah, tout croyant, tout musulman, croit en un jour qui s'appelle le jour du jugement dernier. Qu'Allah a nommé Yawm al-Qiyamah, car les gens, le jour où tout le monde se mettra debout devant le Seigneur et Maître des mondes pour être jugé. Et il a nommé ce jour-là, ce jour terrible, de plusieurs dénominations dans le Coran. Al-Qari'ah, idha waqa'atil waqi'ah, al-tam, al-sakha, des mots terribles, le fracas, le malheur, le jour terrible, le jour où la terre elle va trembler, elle va sortir ce qu'il y a en elle, comme Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Zalzala. La foi, au jour dernier, c'est un pilier parmi les piliers de la foi. Et quelqu'un ne peut être musulman ou croyant sans qu'il n'ait la foi au jour dernier. D'ailleurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala a choisi de nous rappeler ce jour-là, ce jour terrible, dans le dernier verset qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort. Souvent on entend que le dernier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » Aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion et je vous ai complété mes bienfaits et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Oui, ça c'est le dernier verset dans le tashri'a, dans la législation, dans les règles religieuses. Après ça, il n'y a plus de règles religieuses qui ont été révélées, de nouvelles règles. Mais le dernier verset qui est avec lequel Allah a fini le Coran, c'est le verset 281 de Surat Al-Baqarah. Où Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et craignez et prémunissez-vous d'un jour où vous allez être retourné à Allah. Puis, chaque âme sera rétribuée par rapport à ce qu'elle a acquis. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et ils ne seront pas opprimés, nullement opprimés. Comme l'a rapporté Abdullah ibn Abbas, et Ibn Omar et d'autres parmi les Sahaba et les Tabi'in, les élèves d'Ibn Abbas, que ce verset, c'est le dernier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort. Ils ont divergé, certains ont dit 3 jours, certains ont dit 6 jours, 9 jours, plus, moins, certains ont dit même 3 heures avant sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Quoi qu'il en soit, ce que l'on sait, qui a été rapporté de chaîne de transmission véridique de Abdullah ibn Abbas, que c'est le dernier verset qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Comment Allah a choisi ce verset-là pour être le dernier verset? D'ailleurs, il lui a même, Jibril lui a même dit où il fallait qu'il le mette dans le Coran. Il lui a dit, tu le mets juste après les versets mettant en garde du riba, de l'usure. Et juste avant les versets rappelant les règles dans les dettes. Ayat ad-Dayn, le verset de la dette. Pourquoi? Pour craindre l'injustice, pour rappeler les gens de craindre Allah le jour du jugement dernier. L'injustice, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Taqu al-dhulm, fa inna al-dhulm dhulumatun yawm al-qiyamah » Craignez l'injustice, car l'injustice sera de l'obscurité le jour du jugement dernier. Naam, manger l'argent des gens en intérêt, l'usure, c'est de l'injustice. Ne pas rendre ses dettes ou cribler de dettes les gens, c'est de l'injustice. Et d'autres injustices. C'est pour ça Allah Ta'ala nous a rappelé à ce moment-là de se rappeler le jour du jugement. Car la seule chose qui t'empêche d'être injuste, c'est quoi? C'est Allah, c'est la crainte d'Allah. C'est la crainte où tu vas, du jour où tu vas rendre des comptes. Mais aujourd'hui, que les gens sont peu qui craignent Allah et qui craignent de rendre des comptes. Le mensonge, la tricherie, la tromperie, la médisance, la calomnie, les coups en douce, la traîtrise, le mal, la jalousie, la haine. Craignez Allah. Craignez le jour où vous allez retourner à Allah.
vous connaissez pas le verset où Allah Ta'ala dit وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, et ce qu'il y a dans les poitrines va ressortir. Ce que tu caches aujourd'hui à tout le monde, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ce sera visible. Ton intention, pourquoi tu as fait les choses, ce sera visible. Et chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle a acquis. C'est ce que tu as acquis qui va t'être utile. Ce que tu as fait, on dit Maliki Yawmiddin, le possesseur, ou Maliki Yawmiddin, le roi du jour de la rétribution, le jour où il te récompense. De quoi ? De ce que tu as fait, de ce que tu as devancé de tes mains. La foi, ce n'est pas les bonnes intentions futiles, ce n'est pas les espérances lointaines. La foi, c'est ce qu'il y a dans les cœurs et que les actes mettent en pratique. Ce n'est pas comme certains, moi j'ai le cœur blanc, moi j'ai le cœur pur. Comment tu sais ? Même Shaitan, il ne sait pas ça. Même les anges, ils ne savent pas qui a le cœur pur ou pas pur. Il n'y a qu'Allah qui sait. Et derrière, tu le vois, il délaisse les obligations, il fait les interdits. Et après, il dit, moi, j'ai le cœur pur. Parce qu'il croit que le cœur pur, c'est qu'il ne veut pas du mal aux gens. C'est tout, ça suffit. Je ne veux pas du mal aux gens, donc moi, j'ai le cœur pur. C'est facile de faire ces appels ou ces réclamations, ou bien ces propagandes, moi je suis tel, moi je suis tel. Wallah, y'a qu'Allah qui sait ce que tu es. Moi-même, je sais pas ce que je suis. Moi, je peux pas témoigner sur moi-même. Wallah, je sais pas si je vais mourir en enfer ou au paradis. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Qui sait qu'est-ce qu'il est? Est-ce que c'est pas un mounafir, un hypocrite, un shaytan, fini? Il va finir en enfer éternellement. Qui ne sait? Qui d'entre nous le sait? Alors, que l'on revienne à notre objectif. Où Allah Ta'ala dit, c'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous tester, pour voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre, comme il dit dans Surat al-Mulk, la royauté. Le meilleur, les meilleurs des œuvres, comme il dit le Fudayl ibn Iyad, le meilleur des œuvres, la meilleure, c'est ce qui est le plus sincère envers Allah et qui est le plus conforme à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car il n'y a que ces œuvres qui sont acceptées auprès d'Allah. Ce qui est fait sincèrement pour Allah et conformément à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, il n'y a pas l'un d'entre vous sans que son Seigneur ne va lui parler directement, sans traducteur, sans interprète, sans voile. Il va regarder à sa droite, il ne verra que ce qu'il a avancé comme acte. Il va regarder à sa gauche, il ne verra que ce qu'il a devancé comme acte. Il regarde devant lui, il ne voit que l'enfer faisant face à son visage. Qu'avons-nous préparé pour ce jour-là, mes frères, mes sœurs? Aujourd'hui, nous avons construit ce bas-monde. Nous sommes vigilants à ne manquer de rien dans ce bas-monde. Il faut que tout soit complet et parfait. On n'est jamais satisfait. On en veut toujours plus. Toujours mieux, toujours plus grand, toujours plus beau. Qu'as-tu construit pour l'au-delà? Si seulement tu pouvais avoir fait pour l'au-delà la même part que ce que tu as fait dans ce bas monde, wallah, on serait des salihin aujourd'hui. Mais regardez dans ce bas monde comment tout le monde se concurrence à être le meilleur, à avoir le mieux. Mais pour l'au-delà, non. Il a été demandé à un des pieux prédécesseurs, dis-moi pourquoi on a autant d'aversion pour la mort, pour l'au-delà, on n'aime pas l'au-delà. Il dit c'est normal, car vous avez construit ce bas monde et vous avez laissé en ruine l'au-delà. Et quel homme aimerait partir d'un endroit construit à un endroit en ruine? Personne. Si on avait laissé bien construit l'au-delà, on serait pressé d'y retourner. Car on sait qu'on a une demeure qui nous attend là-bas, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, Allah Ta'ala a commencé ce message-là avec le tawhid, avec la foi, le monothéisme pur. Puis au milieu du message, il l'a rappelé et il a fini le message encore en rappelant la foi dans le jour dernier.
et dans le fait qu'on va être présenté à Allah et que nos actes, on va rendre des comptes sur nos actes. Et il nous a rappelé qu'Allah n'est pas injuste, que personne ne sera opprimé. Si Allah il châtie quelqu'un, c'est par justice. Et s'il entre quelqu'un au paradis et il lui pardonne, c'est par son bienfait. Personne ne peut mériter de lui-même le paradis. Si Allah ne le couvre pas de son bienfait et de sa grâce, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a dit, قاربوا وسددوا واعلموا أنه لا لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا يتغمضني الله برحمة منه وفضل. En fait, sallallahu alayhi wa sallam dit, approchez-vous de la perfection et corrigez tout le temps vos actes. Et sachez que personne ne pourra être sauvé que avec ses actions. Ils ont dit, même pas toi, au messager d'Allah. Il a dit, même pas moi, sauf si Allah me couvre de sa grâce et de sa miséricorde. Alors levons les manches et agissons pour notre vraie demeure, serviteur d'Allah. Wallah, et ce bas monde, il est éphémère. On va le laisser, on va partir. Tes proches, ta famille, tes biens. Demain tu vas partir. Demain. Le jour du jugement dernier, quand il nous sera demandé combien es-tu resté sur cette terre, on va dire ashiyatan aw duha, une matinée, une après-midi, pas plus. T'es prêt à sacrifier de l'au-delà éternel, des plaisirs infinis, continus, pour une après-midi, pour une matinée. فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُوَفِّقَنَا جَمِيعًا مَا يُحِبُّ وَيَرْضَاهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا